Yash, salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran, bienvenue pour l'épisode 48, j'ai pas perdu le compte, 44, 45, 46, 47, 48, non, tout est normal, ok, épisode 48, on est donc vendredi, je vais ramener ces bûches à la maison, j'ai pris mes tarifs avec ces chauves-souris là, en plus j'aurais pu les tuer, ça m'aurait donné des ailes de chauves-souris, ça aurait été pratique dans les recettes de chimiste. Ce que je peux faire, c'est peut-être commencer à descendre dans le donjon, ouais mais j'aime pas du tout le donjon. Mais je vais en avoir besoin pour une recette, pour la vieille, dans les marécages. Ça peut être utile en fait si jamais... Si jamais elle est pote avec moi. Parce que du coup je vais pouvoir lui acheter des trucs. Ouais mais je dis ça alors que j'ai pas de vie quoi. Et j'ai pas envie de dormir juste pour récupérer des points de vie. Quand je dors c'est pour récupérer de l'énergie. En prévisionnel je peux toujours couper plein de bois hein, parce qu'on n'aura jamais trop de bois. Enfin... Oui, c'est ça, on n'a jamais trop de bois parce que le nombre de cadavres qu'on doit brûler dans ce jeu est assez phénoménal pour des urnes. Enfin, de toute façon, je peux les remplir. Non, je peux les remplir, les urnes. Et je crois qu'une urne donne un de sagesse, si je dis pas de bêtises. On peut remplir des urnes, ça me paraît pas déconnant. Bah, je ramène les deux bûches qui traînent là et je remplis les urnes. Et puis on voit ce que ça donne un petit peu. Parce que je crois que j'ai des urnes hein, dans un coffre ou quoi. Je dois en avoir. Ouais, j'en avais fait 30, je crois. Enfin. J'ai pas de quoi remplir 30 urnes, mais si j'ai de quoi remplir quelques urnes pour avoir de la sagesse, c'est tout bénef. Journée de l'astrologue. Astrologue qui veut pas être mon pote. Qui veut pas être mon pote sous prétexte qu'il a encore besoin de quelque chose sans jamais en foutre une seule. C'est la paresse, hein, évidemment, dans le cas où vous n'aviez pas compris quel était son péché capital à ce vieux monsieur. Hop, hop. Allons chercher toutes les cendres qu'on a d'entreposer dans ce coffre. On peut aussi ramasser les certificats d'inhumation. Je suis presque sûr que ça doit valoir une petite fortune à ce stade. Enfin. On les vendra prochainement. On peut aller à la taverne maintenant. Puis comme ça je commence à planter les navets et tout. Ouais c'est pas un mauvais plan si vous voulez mon avis. Et puis on remplira les urnes dans la nuit. Ouais on fait ça. Donc on se dirige vers le cheval mort. On va lui vendre un certificat là. Hop là. Tout. T'achètes tout. 18 pièces d'argent c'est tout. Enfin vraiment le... Les prix c'est plus que c'était hein. Ah ouais, détail, dans un jeu vidéo, là en fait on n'est pas sur le déchargement d'une map, le chargement d'une autre. En fait, l'intérieur de la taverne, il est chargé en bas de la map, out of bend. Et en fait, ce qu'on a, c'est plus une action de téléportation vers cette zone. Et ça, c'est un bon truc à faire dans les jeux vidéo, parce que ça t'évite des temps de chargement, de 1, et de 2, le fait de recharger l'état d'une map. Et donc, enfin, parce que du coup, faut sauvegarder l'état d'une map. Et ça, c'est pas toujours évident. Graines de betterave... On va utiliser acheter des graines de blé. Et vendre en plus, ouais même. Voilà, j'ai pris pas mal. On va pouvoir planter un petit peu tout ça. Et se remplir les quêtes. Parce qu'il va falloir lui rapporter des carottes, des choux, des betteraves. Et le blé, ce sera pratique quand on voudra faire du pain. Ou des burgers ou ce genre de choses. De toute façon, la quête de l'inquisiteur prochaine, après ces prospectus à la con, hein, c'est... Ça y est, je commence à être salty. C'est de nous faire de la... Enfin, il faut que je fasse de la bière de bonne qualité et des burgers. Et bah, j'ai pas encore. Alors, les betteraves, ça pourrait être au milieu. Et le blé, on va faire un endroit spécial pour ça. Il y a betterave ici. Betterave là. Et le blé, j'ai pris 20. Donc, attendez... Ouais, c'est bon. 20, ça représente donc 5. 3. Et il y en a 2 ici, ça fera l'affaire. Ok. Une seconde, papillon, là. On va refaire un petit peu de compost. Même si les végétaux, là, comme on a vu, là, cette ignominie est quelque chose d'utile. Donc il faut pas tout transformer, mais je suis quand même amené à en avoir beaucoup. Donc je m'en fais pas trop là-dessus. On plante le blé, encore du blé.
On va ranger dans le coffre nos graines, enfin nos tourbes, ces trucs-là, et on va commencer à remplir nos urnes. Et je me débrouille pas trop mal, hein, 1h15 et je vais bientôt avoir fini le live. Tant mieux, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire, et donc moins je passe de temps sur le live aujourd'hui, et mieux je me porterai. Donc pas que je vous aime pas, hein, c'est pas le problème, c'est que j'ai traîné, en fait. J'aurais dû faire des choses que je les ai pas faites. Remplissons les urnes. C'est un point de sagesse par urne. Ok. C'est pas cher payé. Franchement, ça pourrait être plus généreux. Ça pourrait carrément être plus généreux. Bon, on va ranger le reste de nos urnes ici. On va aller chercher le dernier cadavre. Si c'est un cadavre à brûler, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, je suis à 10. C'est un chiffre rond. Même si techniquement, les centres d'urne, ils en demandent 12. Il est de quelle qualité le cadavre que j'ai laissé là-dedans? Ah, ça c'est un cadavre de bonne qualité, donc il finit dans le cimetière, et ça c'est un cadavre que je vais brûler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite enterrer le cadavre dans le cimetière. Comme ça, il sera pas trop mal. Et le deuxième, on va retirer tous les organes, on va le brûler, et on fera notre dernière urne. Comme ça on est à 10, voilà, tout simplement. Bon, où est-ce que je l'enterre? Ici. Côte à côte, je m'en fous, je respecte plus rien. Voilà, alors, hop. Dès que le jeu m'autorisera à... Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je l'ai pas sur moi, le cadavre. Mais non, mais je l'ai posé à côté de moi, non? Pour faire ce trou. Non, même pas. Non, je l'ai pas ramené. Oh la vache, je suis fatigué, je suis distrait. Hein. Ça se voit, hein. Non, non, j'ai retiré les organes et puis je l'ai laissé sur la table d'opération. Bah oui. Mais oui, dis donc, monsieur, là. Faut aller dormir. Bon, on a un cimetière de qualité 28. 20, 25, 20... Je me suis projeté, non? Je me suis projeté. 28 de sexiness, ce qui est pas trop mal, on va se l'avouer. Je vais commencer à retirer les organes de ce cadavre. Je le brûlerai demain matin et on fera la prière juste après. Dès que je suis fatigué, en fait, je me téléporte dans mon lit et je dors. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Et puis, il faudra prier et puis étudier les organes. Donc, bah, du coup, je vais garder les organes sur moi. Comme ça, je pourrai les étudier un petit peu. Je vous fais des gros bisous. Je vois que c'est la fin de l'épisode là et je vous dis à demain matin. Allez, bye.